Famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Pardonnez, moi, je ne fais pas la politique. Jamais, je ne fais pas la politique. Mais ensemble, on va regarder cette vidéo. Vous allez me dire, si quelqu'un vous dit qu'il y a l'argent comme ça en espèces dans le pays, vous allez quoi? Hé! Chafou là. Famille, en tout cas, abonnez-vous. Voilà, je dis, c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui s'est passé au Bénin, si on voit ça, même pas trop parler. Likez la vidéo, ça trappe. Après ça. Celui qui veut de l'argent, se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite collection, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Roumeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Roumeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bocor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA, 1 milliard 500 millions. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Roumeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Roumeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Famille, je ne veux pas entendre un commentaire, il a fait ci, il a fait ça, coup de quoi. On a dit 1 milliard 500 millions de francs CFA. Concentrons-nous sur ça. C'est l'argent de qui, oh? Il fait quoi avec ça, oh? Qui a fait quoi à qui à printemps? La seule question que moi je veux poser, c'est quoi? Tant qu'il y a l'argent comme ça dans le pays, tant qu'il y a 1 milliard en espèces comme ça au Bénin ici, et puis la galette déchire les gens comme ça, et puis la galette traîne pas les gens partir comme ça, même pour avoir 100 francs, tu vas travailler fatigué. Il y a 1 milliard dans le pays ici, et puis tu vas travailler de 8h à 19h, 20h pour gagner 2000 francs. Je parle de ceux qui font être mensonge ou quoi là, famille. C'est sur l'argent. C'est-à-dire que, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, tu peux gagner de l'argent, tu peux devenir riche. Il y a d'autres qui disent qu'il faut simplifier, il faut forcément aller en Europe, des pays européens. Non, non. C'est au Bénin ici, il y a l'argent. Hein. C'est au Bénin ici, hein, famille. 1 milliard 500 millions en espèces. Respectez les hommes. Tout ça, là, c'est le problème de Dieu. Hein. Dieu, c'est lui qui a commencé la corruption. Sinon, lui, s'il a été capable de donner 1 milliard aux êtres humains comme nous, nous, on lui a fait quoi? Nous, on a fait quoi pour ne pas mériter aussi ces milliards?
Famille, dites-moi simplement en commentaire, si quelqu'un te dit si, qu'il y a un milliard comme ça au Bénin ici, toi tu vois quoi? Il y a l'argent comme ça et puis tu iras dans certains villages, ils n'ont même pas l'eau à boire, ils n'ont pas. Il y a l'argent comme ça et puis il n'y a pas des écoles dans certains villages, il n'y a pas d'hôpitaux. Ok, je comprends. Je vous ai déjà dit, je ne vais pas commenter de politique. Je ne vais pas commenter de politique qui a fait si que je ne connais personne. Même ceux de à 20 ans, en appelant de qui, je m'en fous, je ne les connais pas. Et je vais même pas les connaître. Laissez-moi ici, on finit ici, on bavarde. Voilà, on se parle des informations, point. Mettre ma bouche dans quoi? Politique. Ah ok, d'accord. Parmi ici, c'est actualité béninoise, 100%. Tout ce qui se passe au BZ, c'est si on voit ça. Toi qui veux te connaître un instant de tout ce qui se passe au Bénin, faut t'abonner, activer la cloche de notification. Il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Toi qui veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, faut nous contacter le numéro à la +229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Parmi, vous êtes dit, hein? Je ne veux pas voir ça, hein. T'es vos champions. Gaz.